L'allemand ne donne jamais de gourmet. L'allemand ne déçoit jamais. Si tu apprends la langue allemande et tu ne voyages même pas en Allemagne, tu vas apprendre beaucoup de choses en apprenant cette langue-là qui est très super et qui est la plus parlée en Union européenne. Même si tu ne voyages pas en Allemagne, tu peux avec la langue allemande commencer par enseigner cette langue-là si tu l'apprends très bien. Si tu t'inscris à un cours de langue, tu te dis que ok, moi j'ai pas de boulot, ou bien moi je fais seulement que du zemidian, ou bien moi je fais seulement de tassimoto et puis j'arrive pas à gagner ma vie, j'ai mon diplôme mais je cherche du travail fatigué et j'arrive même pas à trouver du travail. Mais si tu t'investis dans l'apprentissage de la langue allemande, ou bien toi, ton âge a déjà avancé. On dit que pour un programme pour venir en Allemagne, il faut être en bas de 40 ans. Et toi, tu as déjà dépassé 40 ans. Tu as 45 ans. Mais tu apprends la langue allemande et tu la maîtrises très bien, mon frère. Si tu maîtrises très bien cette langue-là, tu maîtrises comment les systèmes se passent, les systèmes d'examen se passent, comment est-ce que les épreuves se passent, comment il faut réussir un examen de Goethe, comment il faut réussir un examen de ESD. Toi, tu maîtrises vraiment le système, tu apprends très bien, tu t'investis là-dedans et tu apprends cette langue-là. Tu peux devenir enseignant de la langue allemande. Et aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de centres qui naissent dans nos pays. Et là, eux, ils ont besoin des profs d'allemand qui vont enseigner l'allemand aux élèves qui veulent apprendre la langue allemande pour voyager en Allemagne. Et si toi, tu t'investis là-dedans et tu deviens prof d'allemand spécialisé pour donner les cours de langue, mon frère, tu vas gagner bien ta vie. Nous avons des profs qui gagnent actuellement à partir de 100 000 francs par mois, vous voyez. Et il y a des gens qui sont même payés par heure. Il y a des gens qui sont payés 1000 francs par heure, des gens qui sont payés 2000 par heure. Ça dépend de là où tu travailles. Il y a des gens qui sont payés comme ça. Et les gens arrivent à gagner leur vie avec ça. Et toi, tu es là, tu dis toujours qu'il n'y a pas de travail. Mais comment tu peux être un enseignant? Mais comment tu peux apprendre la langue allemande, par exemple, au campus? Ou bien tu peux être un enseignant et tu vas dire qu'il n'y a pas de travail, mon frère. Tu as la possibilité même de faire des cours à domicile. Hein? Tu as la possibilité de faire ça, de faire des répétitions pour les gens à la maison et recevoir de l'argent. Les gens sont prêts à te payer pour pouvoir leur enseigner la langue allemande. Et pourquoi toi qui as dépassé l'âge pour pouvoir voyager en Allemagne, pourquoi tu ne peux pas te concentrer sur la langue allemande, apprendre la langue allemande, maîtriser cela, maîtriser les rouages, les sillages du système. Et toi, tu enseignes l'allemand aux autres personnes et tu gagnes de l'argent. Et tu vas recevoir toujours des gens qui vont te dire « Oh vraiment monsieur, tu m'as aidé parce que tu m'as enseigné la langue allemande. Tu sais comment parler la langue allemande et ça va vraiment t'aider mon frère. » Toi qui me suis actuellement et tu n'as pas de boulot et tu cherches du boulot fatigué, je t'invite vraiment à aller t'inscrire pour commencer les cours d'allemand. Tu peux venir chez nous à Prime Academy. Notre école est à Guadimaco, nous sommes également à Gmalepedo. Tu peux venir apprendre la langue allemande, maîtriser ça, maîtriser le système, faire des recherches et comprendre beaucoup de choses. Et tu peux également enseigner chez nous à Prime Academy ou bien enseigner dans d'autres structures ou bien faire les cours de répétition à la maison, faire des cours en ligne pour gagner de l'argent. Il y a des gens qui sont actuellement payés qui vont même jusqu'à 500 000 par mois hein, en étant seulement prof d'allemand parce qu'ils font des répétitions, ils donnent des cours dans les centres. Hein, et avec ça, ils gagnent beaucoup leur vie. Mais pourquoi toi, tu ne peux pas t'investir là-dedans? Tu apprends quelque chose, tu apprends la culture allemande, tu arrives à avoir des contacts avec les Allemands. Les Allemands vont t'inviter pour les événements. Même si ton âge est avancé, comme tu parles bien la langue allemande, mais comme tu apprends bien la langue allemande, tu enseignes bien la langue allemande, on peut même t'inviter à venir en Allemagne, faire des séjours en Allemagne gratuitement. Il y a des programmes de DAAD pour les profs d'allemand, beaucoup de programmes, mon frère. Toi qui me suis actuellement, si tu as dépassé l'âge de 40 ans, ou bien toi, tu as commencé par apprendre la langue allemande, tu as fait demande de visa, ça n'a pas marché, ne reste pas là-bas en disant que non, moi je peux plus voyager en Allemagne, donc c'est fini, et tu vas laisser l'allemand de côté. Non, tu reprends la langue allemande, tu apprends très bien et tu vas voir que tu vas vraiment gagner ta vie. Même en restant Togo avec la langue allemande, tu vas gagner vraiment ta vie et tu seras fier de toi, mon frère. C'est un secret professionnel que je suis en train de partager avec toi. J'espère que toi qui as écouté ce que je viens de dire, tu vas mettre ça en pratique dès maintenant et commencer au plus tard dès l'année 2025 par faire les cours d'allemand. Même si ton âge est avancé, tu peux également commencer par apprendre la langue allemande, maîtriser le rouage et commencer par donner les cours ou faire des répétitions pour gagner ta vie financièrement, mon frère. Tu ne vas pas regretter ce que je suis en train de dire là. C'est ton frère, Kordjo Jolfouke, je suis coach en immigration en Allemagne. J'espère que la vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, partage ça avec tes amis. Fais pas ça pour toi seul. Si tu connais quelqu'un qui est dans le chômage, partage ça avec lui. De nos jours, on peut tout apprendre si on veut. Même si tu n'aimes pas la langue allemande, si tu t'investis vraiment là-dedans, tu veux apprendre ça pour pouvoir gagner ton pain quotidien, tu peux le faire, mon frère. Je compte sur toi. Je crois que tu vas le faire. On est ensemble. Bye bye.